Hey, salut à tous les amis, c'est Crafter22. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc, comme vous avez vu sur mon Discord, pour ceux qui sont sur mon Discord, j'ai annoncé qu'une nouvelle aventure allait arriver. Et bien, ça commence maintenant, vous voyez. Cette vidéo que vous voyez en ce moment, c'est la nouvelle aventure que j'ai mise sur Discord. Et vous inquiétez pas, Craft Survival saison 1 va continuer, donc vous inquiétez pas. Elle est en réparation. Et je me suis dit, en attendant, il faut bien faire du Minecraft. Et je me suis dit, on va pas recréer un nouveau monde, ça serait totalement con de faire deux séries avec deux mondes. Non, j'ai cherché une map survival. Et j'ai trouvé une map, comme vous avez vu dans le titre, qui s'appelle Eldaria. Cette map est absolument incroyable. J'adore cette map, d'accord. J'ai trouvé quelque part. Et on va y jouer ensemble, tout simplement. Regardez-moi ces montagnes absolument magnifiques. Nous avons des panneaux. Donc là, on a ça. Donc il faut trouver le Nether, parce que le Nether est changé. Il est nouveau, le Nether, dans cette map. Il a été changé. The Custom Nether. Portail. Il faut trouver le portail aussi. Et faut avoir les ressources du Nether. Bah, je sais pas trop lire l'anglais, mais bon. 10 map a été créé par Aurélien Samin. Si vous connaissez, c'est un youtubeur très sympathique. Je regarde très souvent ses vidéos et j'aime bien ce mec. Et je savais pas du tout qu'il avait créé une map et c'est un énorme builder. Donc, je vous le mets dans la description, sa chaîne YouTube, pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà. Et je vous mets aussi les téléchargements de la map. Donc là, welcome, bon, bienvenue. Eldaria Island V3.1. Il y a plusieurs îles, c'est ça? Je sais pas trop. Avec the map. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'îles. Donc voilà. Regardez ce qu'on voit là-bas. Regardez ce que c'est. Un village customisé. C'est magnifique. Donc si, ici c'est les spawns, hein, si vous l'avez compris. Regardez-moi ces montagnes absolument magnifiques. Comme vous avez vu dans la miniature, j'étais en train de voler, c'est parce que je suis allé sur la Creative. Et donc j'ai fait un super screenshot comme ça. Vraiment, cette map est absolument géniale. Ah, donc, plus de shader, car le shader fait extrêmement laguer. Je suis vraiment désolé. Mais c'est très bien de jouer à Minecraft comme ça, vanilla, bien comme ça. Moi je trouve ça pas mal. Les packs de ressources, je sais pas si il faut que ça plaise à tout le monde, tu vois. Les packs de ressources, ça plaît pas souvent à tout le monde. Regardez ça là-bas. C'est quoi ce truc? On ne voit jamais ça à Minecraft. Donc voilà, regardez les toits et tout, la grotte. Et ça, c'est des points de repère, des petits points de repère qu'a fait le youtubeur. Et là-bas, il y a une grotte. Donc je m'y connais un petit peu sur la map parce que avec un pote ou avec une personne, je joue à cette map. Donc je m'y connais, mais vous qui ne connaissez pas. Donc j'ai des fous quand même, mais je connais un petit peu la map. Donc voilà. Donc regardez-moi ces champs, c'est magnifique, c'est magnifique. Cette map, elle a l'air mais géniale. Déjà, on va aller dans le champ et on va prendre un petit peu de blé, hein, les villageois. On a le droit à un petit peu de blé des fois. Hop, ça lag un petit peu quand je fais trop vite. Mais bon. Est-ce que vous replantez tout seul pour me économiser? Non, ils veulent pas. Alors, ah, comme ça, j'ai eu l'achievement. Mon jeu est encore en anglais. Je vais pas le mettre en français maintenant parce que ça va faire laguer. Voilà. Pas grave. Je vais le mettre en français peut-être bientôt, je pense. Vraiment pour la map moderne de ville. Ne vous inquiétez pas, moderne de ville va arriver bientôt, je sais pas.
Mais quand j'aime bien faire des survies, souvent j'oublie de faire, j'aime pas trop. Je me lasse un peu du créatif et après je me lasse de la survie et je fais du créatif. C'est vraiment compliqué, Crafter 22, hein, c'est comme ça. Donc là, ici, on va s'installer ici dans cette maison et on va déjà commencer par faire du pain. Hein, quand même, ça serait quand même cool. Voilà. Et on va prendre un petit peu de. On va bûcher de l'arbre, ça serait cool. Avoir un petit peu de bois. On a déjà une table de craft, donc c'est très bien. Donc je vous ai mis la musique de Minecraft Arena. Putain, je suis en train de plagier CB Games. Magnifique, toujours Minecraft Arena ou un truc comme ça. Il fait beaucoup de trucs, il est extrêmement connu pour faire du Minecraft. Mais il y a des problèmes en ce moment, donc il va faire beaucoup de Twitch. Ah, sur YouTube, il y a des problèmes. On sait pas si ça va se régler, mais j'espère. Donc on va prendre aussi le blé qu'il y a ici, hein, ça serait sympathique aussi. Voilà. Ok, je veux pas chanter parce que ça devient chelou après. Voilà, donc la map est appelée Eldaria. Eldaria, donc la série s'appelle Eldaria. J'ai pas voulu prendre les maps que faisaient les youtubeurs. Vous voyez? Je vais pas prendre Ice Cream Survival parce que c'est du énorme plagiat contre Fufu et Oxy. Parce que moi j'adore Ice Cream Survival, pour ceux qui connaissent. J'adore ça. Donc on va replanter. J'adore vraiment leur série, cette série-là. J'attends extrêmement la saison 3. Mais voilà. J'ai pas envie de plagier. J'avais envie de faire un truc original, une map que pas beaucoup de youtubeurs utilisent. Comme cette map, une map survival que je voulais faire, que pas beaucoup de personnes utilisent. Hé mon gars, c'est une bonne map, hein. Vraiment, elle est vraiment bien. Donc c'est pas comme dans Minecraft, hein, voilà. Le mec a vraiment fait tout à son image, bah pour son image. Il a tout fait avec World Edit, bah, un petit peu à la main, parce que il a fait les grottes lui-même, il a fait tout ça, les montagnes lui-même. Et vraiment n'importe quoi. Ici on a un villageois qui nous donne pas beaucoup de loot. Non, rien du tout. Sauf si on fait une ferme à araignée, ça peut être sympa, mais voilà. Donc voilà. Donc on va crafter un petit peu des trucs dans la table de crafting. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc ça fait combien de temps? 7 minutes qu'on a commencé pour expliquer un petit peu les bases, tout ça. Donc c'est vraiment le tout début. Voilà, on fait un petit peu de trucs, on commence à crafter. Voilà. Et je vais pas vous spoiler trop un petit peu parce que je me suis un petit peu spoilé. Il y a des endroits que je connais dans cette map. Et on va les découvrir dans le prochain ou encore le prochain. C'est vraiment des zones méga cool. On va se faire une épée, bien sûr. Hein, c'est important, les épées. On va faire une pelle. Et je vais arrêter de chanter, j'ai dit, putain. Voilà. Et on a reçu beaucoup de blé, donc on va refaire du pain. Alors, on commence vraiment super bien. 10 pains, ouais. Que comme j'étais avec une autre personne à faire cette map. Ah non, j'ai dit qu'on connaissait bien, mais j'ai pas envie de tuer les moutons. J'aime pas tuer les moutons, vous voyez. Les moutons là-bas, j'aime pas du tout. Ah, on va devoir passer la nuit. Oh non, fait chier. Est-ce qu'il y a du fer là-dedans, s'il vous plaît? Je vais déjà prendre trois pioches, ma trois pierres. Voilà, et me crafter une pioche en pierre. Non, mais là, ça va déjà spawn, donc c'est mort. C'est mort, je vais devoir rentrer. Hein. Merde, j'ai complètement oublié le. Oh non, j'ai complètement oublié la laine, je suis con. Oh, fait chier. Ah bah là, on est mort. On va devoir attendre toute la nuit. Je voulais pas faire d'ellipse dans cette vidéo. Je voulais pas du tout en faire, mais alors non. Et est-ce qu'on va pouvoir passer? Est-ce qu'on va pas pouvoir passer le. Ah, j'ai plein de bouffe, mais c'est pas.
ça spawn. Comment je vais faire pour revenir après? Ah ouais. Je vais prendre de la pierre. Ah merde. C'est extrêmement dangereux ce que je fais. Faites pas ça à la maison. Non, vous pouvez faire ça, mais c'est ceux qui veulent la map en tout cas. C'est tellement dangereux. C'est quoi ce délire? Non, vraiment, c'est vraiment dangereux ce que je suis en train de faire. Alors, on va casser ça. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Putain. Merde. Oui, il a dû faire en bas. Je crois que le mec il avait prévu de faire ça. Non, non, il tue des moutons, je pense, le créateur. Donc moi j'ai un gros problème parce que j'ai pas envie de tuer les moutons. Ah, il y a un zombie. Hello petit zombie. Comment ça va? On va attaquer. Vous sentez la rage qu'il y a dans ma tronche là? Est-ce que vous la sentez là? Ça lag. Oh là. Vous la sentez la rage là, hein? Oh non, par contre. Non, ça y est, c'est foutu, la vidéo elle est foutue là, c'est pas possible. Pourquoi les FPS ils veulent pas revenir? Pourquoi les FPS veulent pas revenir? Non, là il y a vraiment un problème. Ah, ça y est, non? Bah non. Pourquoi ils reviennent pas les FPS? Ça y est, ils revenaient. C'est bon? Mais ça lag. Oh, mais non, les mecs. Le faire. Le pain. Putain, mais vraiment ça lag là. Les amis. Oh non, j'espère que c'est du... Quoi? Qu'un seul fer, c'est une blague. Non, tu vas pas me faire ce coup là s'il te plaît. Il y avait quand même pas qu'un seul fer. J'ai récolté du fer avec mon pote là. Je pensais que j'avais assez. Ah, ici, voilà. Bon, on a assez de fer, mais je vais récolter le fer qu'il y a là. Moi j'ai une de ces peurs. C'est bon, là c'est bon, c'est revenu aux 60 fps. Mais il y avait un de ces lags, mon gars. Voilà. Ah merde. Fais chier, merde. Mais je vais pas faire ça avec l'iron. Je vais péter ça tout simplement. J'ai fait une hache en plus, c'est tellement con. Quoi? What the fuck? Non, mais j'ai juste à miner ça, c'est bon. C'est quoi? Ouh, j'avais déjà de la cobblestone dans mon inventaire. Super. Maintenant, va falloir passer. Et il faut avoir assez de pierres aussi pour du four. Ah ouais, j'y avais pas pensé à ça. Pour faire un four, il faut avoir assez de pierres. Enfin, c'est bon, j'ai assez. Maintenant, il va falloir passer. Et les FPS reviennent à zéro là, ou c'est quoi le truc? Ils ont spawné là, bah ouais. Quoi? Mais je pensais qu'ils auraient plus spawn que ça. Sur la note survie, bah ça va être beaucoup plus spawn et ça lag beaucoup. Ah. J'espère que cette vidéo est sortie parce que sinon ça va pas passer. Oh non, il n'y a pas de charbon, on fait chier, on va chercher du bois. Oh non, ah, c'est horrible.
Mais il n'y a personne, je comprends pas, y a pas de monstre. Il y avait beaucoup plus de monstres. Difficulté, on va laisser easy parce que c'était easy sur ma sur l'autre map, mais un creeper. Alors si tu pètes mon gars, mais mes pires ennemis c'est vraiment les squelettes, mais les creepers ça fait un petit peu chier. Ah c'est bon, j'ai réussi. Et j'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, un petit peu de bois. Allez, s'il vous plaît. Voilà, comme ça. Juste avoir assez de bois là. Ouais, j'ai assez de bois normalement pour faire cuire 3 fers. Ah. Oh, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, normalement, j'ai assez de bois. Et ça va, toi? Qu'est-ce que tu me vends, toi? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Parce que, en fait, j'ai l'impression que dans cette map, il y a plus d'émeraudes que sur une map normale. Donc, je suis pas sûr de ça, mais j'ai cru recevoir cette information. Ouais. Bien. Mais après, il va falloir chercher les moutons, bien sûr. Hop, et j'ai assez de planches. Quand même garder. Ouais, c'est bon, de toute façon. Voilà, donc avec ma cisaille, normalement, je devrais y arriver. Normalement, il y a des moutons juste à droite. Si je dis pas de bêtises. D'accord, c'était vraiment une mauvaise idée. Ah, il va faire jour de toute façon. Ah, petit villageois, il va faire jour. Ouais, je trie comme ça, moi. Vraiment, je trie avec un villageois comme ça. Je vais aussi me faire une épée en pierre. J'ai juste assez. Ouais. Toi, bye bye. Voilà. Et la hache. Il va faire jour? Putain, il y a un zombie. Faire attention au villageois. Et j'ai vu qu'il y avait une araignée là-bas. Donc je vais tout de suite la tuer parce que. Bah, les araignées, ça rapporte, hein, mais vraiment. Il me semble qu'il y avait un squelette à côté de lui. Bah, elle est où l'araignée? C'est quoi ce délire? Hey, j'ai besoin d'araignée moi. Et oh. Oh là là, oh là là. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais vraiment pas du tout. Donc là, il y a le squelette qui s'est réfugié. Ah merde, un creeper. Heureusement que j'ai pris une épée en pierre. Hein. Oh, putain, il va péter. Oh non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, on a reçu de la poudre à canon, des flèches. Et j'avais vu une araignée tout à l'heure. Je suis pas fou. J'avais vu une araignée. Et tout le monde sait que les araignées, c'est pratique pour faire une canne à pêche ou autre chose. Et bah non. Et j'ai l'impression qu'elle a despawn. J'ai besoin d'une canne à pêche, quoi, c'est triste. On va faire notre lit en rasant des moutons, hein. C'est génial. On va replanter ça. Comme ça qu'il y a des moutons juste en haut. Putain, je peux plus courir. Eh oh, j'ai 10 pains quand même. Voilà. Allez, donnez-moi votre laine. Oh, de la laine grise. J'aimerais bien un lit comme ça. Moi. Génial. Ah, encore de la laine. Génial. On va les mettre dans un enclos, ces petits moutons. Donc là, je vois qu'il y a des chairs putréfiées. Il n'y a pas d'araignée. Ouais, elle dispawn, c'est sûr. Araignée dispawn. Est-ce que vous pouvez manger pour que j'ai
de la laine grise foncée encore, s'il vous plaît. Ce serait cool de votre part. Ils veulent pas. Là-bas, il est blanc. D'accord, oui, il est blanc. Et bien petit. Ouh, voilà, encore plus de laine, ça fait du bien. Et il veut pas, il veut vraiment pas manger. Bon, voilà, on va aller chercher sa laine plus tard, c'est pas. Hein. Déjà me faire un lit blanc, ça fait déjà pas mal. Ouais. Ça fait combien de temps que je tourne? 20 minutes déjà. Oh, les amis, on va déjà se quitter, malheureusement. C'était un bon commencement, moi j'ai bien aimé. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et si vous aimez cette nouvelle aventure, cette nouvelle aventure avec cette map. Donc vous pouvez envoyer les détails avec le lien que je vais vous envoyer avec la map. Et le youtubeur aussi qui a créé cette map, bien sûr, pour ceux qui s'intéressent. Et qu'est-ce que je voulais faire? Bien sûr, un lit, c'est extrêmement important. Boum, voilà. Ah, j'ai un lit de poche maintenant. Ah, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à mettre un like. Attendez, on va faire l'outro. On va faire l'outro ici, pourquoi pas, juste devant le village. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un like. À vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas encore fait, ça me fera extrêmement plaisir. À rejoindre la team Discord aussi, bien sûr. Hein, ce serait vraiment cool. Il faut bien sûr être abonné. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné non plus, mais c'est plutôt les abonnés qui sont sur la team Discord que je mets tout le temps en description. Si vous voulez savoir quel logiciel de montage que j'utilise et quel logiciel de record j'utilise, les informations sont dans la description, tout simplement. Mais je mets pas le lien, je mets juste le titre. Normalement, il faut rechercher sur internet. Oui, ça va. Donc, les amis, c'était Crafter22. Et je vous dis ciao, les amis.